Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Mais avant, je ne vais pas te montrer comment faire ce PowerPoint que j'ai réalisé rapidement pour répondre. Donc, dans cette présentation, j'ai fait trois slides pour qu'il y en ait plusieurs, que l'on puisse changer si l'on était dans une présentation. Dans le premier slide, il y a un titre, un texte, un petit bonhomme et une voix. Dans le second slide, il y a un titre, une réponse, le même texte que dans la première et la voix. Et ensuite, dans le troisième slide, il y a une réponse à une question, toujours le même titre, un texte, un autre texte qu'il y avait déjà et quatre petites icônes que j'ai rajoutées et le tout est animé. Bon. Maintenant que j'ai réalisé ce PowerPoint rapidement, je vais aller dans Fichier. Et je vais aller exporter, non pas enregistrer ni enregistrer, sous mais exporter. Et je choisis de créer une vidéo. Là, il y a plusieurs choix. Full HD, HD simple, Ultra HD, 4 kilos, enfin bon. Généralement, pour mettre sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, la HD suffit largement. On peut utiliser le minutage génération ou pas. On va marquer non, voilà. Et puis les secondes passées sur la diapositive, il faut savoir avant de créer la vidéo ce que l'on va avoir comme temps pour chaque vidéo. Et on clique sur créer la vidéo. On choisit l'endroit où l'on veut mettre la vidéo exportée. On met un titre et on exporte. Et on n'a plus qu'à attendre. Tout en bas, vous avez le curseur qui vous indique à quel endroit on est de l'exportation. Lorsque tout est fait, il y aura un petit message. On va attendre le petit message. Voilà, la vidéo est exportée. On va donc pouvoir aller la regarder. Bonjour, alors je vais répondre à une question qui a été posée sur PowerPoint. Comment peut-on poster la vidéo d'animation que l'on a fait sur les réseaux sociaux, étant donné qu'il faut toujours appuyer pour changer le slide. Alors voici la réponse. Il n'est pas possible de le faire avec la présentation PowerPoint. Il faut donc créer la vidéo depuis PowerPoint en format MP4. Ensuite, il ne reste plus qu'à envoyer cette vidéo sur les réseaux sociaux, comme avec une autre vidéo PowerPoint, qui n'est autre qu'un logiciel très perfectionné qui sait tout faire pour les vidéos et les présentations. Mais encore faut-il savoir comment faire. Alors tu peux découvrir comment utiliser PowerPoint dans la formation offerte en cliquant sur le lien juste en dessous. À très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite!